Toujours sur l'horizon, quelque chose que l'on veut atteindre. Quelque chose de très loin que l'on aimerait attraper, tout au bout du ciel bleu. Un point que l'on scrute obstinément au milieu du temps qui passe et que l'on se promet de voir un jour de tout près. N'avoir de cesse que de trouver la solution pour y arriver. Chercher et chercher encore à faire vivre ce qui est impossible, mais y croire sans faille. C'est l'idée d'un enfant de la mer, parce que la mer est immense et secrète. Un rêve d'adolescent, parce que les flots sont changeants et attirants. Et qu'aujourd'hui, à la force de l'âge, tout est permis. Qu'après avoir négocié avec les fées de la Providence et passé un pacte avec Neptune, il semblerait que cette envie de toujours soit possible. Une chevauchée dans les vagues, sur un vélo. Un vrai vélo. J'y pense depuis l'âge de 9 ans, toujours à regarder la mer, à rêver, à vouloir traverser cette jolie mer de la Manche. Comme je ne suis pas marin, je voulais le faire à tout prix avec mon vélo, celui que j'utilise pour aller sur la route, ne rien changer à mes habitudes. Le faire comme un vrai cycliste, quoi. Et puis j'ai trouvé cette invention qui vient d'Italie, en lisant un magazine. Ça y est, c'est possible, je vais pouvoir enfin traverser cette mer de la Manche. Chromé et léger, qui vient se mettre dessus et qui fixe le beau vélo, mais qui n'emprisonne pas la bête de course. Un système simple et ingénieux pour la direction et la propulsion. On prend son cap et on évite les vagues avec le guidon. La roue arrière au pneu fin entraîne un galet qui fait tourner une hélice solidaire du gouvernail. C'est très simple, c'est le premier vélo des mers. Là, c'est l'élastique. Là, c'est bon, c'est nickel. Et ça, j'ai mis ça pour voir de temps en temps roupiller dessus, sans me partir directement à droite ou à gauche. C'est classique. Ouais, ça me permet simplement de pas me faire chier avec ce que le guidon se balade de temps en temps. C'est bien souqué, là. Ah oui. Et là, on bloque la vis après, derrière. Ouais, c'est même pas la peine. Non. Et parfois, j'aboque pas. Voilà. Et c'est bon. J'emboîte mon hélice sur la dérive et voilà, c'est fini. Et maintenant, Fontani peut venir. La nuit, avant un truc comme ça, t'arrives pas à dormir. Parce que t'as pas l'habitude de dormir sur un bateau. Tout le monde fait du bruit, mais tu t'en fous. Dans ta tête, tu es prêt. T'as plus de doute, même si tu ne dors pas. T'as juste envie d'y être. Tu t'es bien préparé. Et tu sais que rien ne peut t'arriver. Qui t'arrêtera? Qui? Tu attends parce qu'il faut que tu y arrives coûte que coûte, même s'il pleut, même s'il y a des galères, qu'il y a des creux de 2 mètres. Je me suis préparé mentalement et physiquement, je suis prêt à tout. Voilà, c'est magnifique. Hein. Je suis pas un vrai marin quand même.
Ah, c'est quand même. Okay, like yeah. Okay. 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 Right, you can come down, mate, if you just hold it there. Yeah, but au moment où je pars, quand j'enfourche mon vélo, je pense à rien. Juste à me concentrer. À me dire que c'est pour une grande balade, plus longue que d'habitude. Mais ce n'est que du plaisir. Je sais que ma famille et mes amis m'attendent loin, de l'autre côté, loin, très loin. Je me concentre et je m'éloigne le plus vite possible et le plus loin du bateau. C'est maintenant. Pas trop gros là pour l'instant. La vague, hein. Comment? Comment est la vague? Ouais. Corde, 7. Et bon. 7 ans. Ouais. Et bon. Super. Impeccable. J'aurais pu faire marche arrière, donc c'est bon. Hein. Gérard, ça te décontracte un peu la danseuse? Le dos là? Ouais. Ok. Pour le cul? Ouais. Ouais. Je ne sais même pas si ça vient de la salle, je crois que c'est à cause des vagues qui à chaque fois. Voilà. Ouais. Le problème c'est que je pédale comme ça. À cause des vagues et du vent, le vélo n'est pas droit. Alors je force que d'un côté. D'accord. Southern Coast Guard, Southern Coast Guard, one horse, security traffic. Bon, allez, bien côté. Tu as l'entrée ton vélo. Voilà, voici. Ça va les jambes? Oh non, ça va. Putain, ça y est. T'as parti pour un tour. C'est pas toi? Non. C'est un détail. C'est un détail. C'est un détail. Thank you.
décontracté. Tant pis. J'ai vu arriver Hugues, comme prévu, ça m'a fait du bien. Parce que c'est un compétiteur. J'ai confiance en lui, je savais qu'il allait me faire prendre les meilleurs courants, au plus juste. Ça allait être terrible. Mais la nuit, c'est magique. Je voyais déjà sur le bateau des têtes qui s'inquiétaient. J'avais hâte d'entrer dans le noir, d'y aller à fond, à bloc, pour savoir. Après la nuit, j'aurais presque gagné. Maintenant, j'ai passé la moitié route déjà depuis une demi-heure. C'est bien, mon vieux. De Barfleur. C'est bien là-bas dans le bateau, Gérard ? Hein ? C'est bien là-bas ? Non. C'est mieux avec nous, c'est mieux là ? Bah oui, mais. On est souvent dans le rouge. On est inquiet, nous, en plus, là-bas, qu'on te voit. Tu te mets pas dans le rouge, hein ? Les genoux là ? Ouais. Ah. Le coup de barre, comme dormir debout sans pouvoir s'étendre. Avoir la fatigue, comme un chien hargneux au mollet. Toujours avancer pour ne pas sentir la morsure. Toujours pédaler, regarder au fond du courage et s'étonner de ne trouver aucune faille. Le coûte que coûte est une bonne méthode de force mentale. Se sentir si bien et si mal, la tête baissée dans le guidon, la délivrance est si proche en minutes et si lointaine en coup de pédale. Derrière l'horizon et trouver le point de rencontre. Avoir atteint le lieu de rendez-vous d'un bon pied et d'un bon œil, mais surtout d'un bon coup de pédale. Avoir franchi les mers vous ouvre l'appétit d'un peu de gloire, de beaucoup d'amitié. Vous donne
des frissons à entendre tous ces bravos. Vous fait dresser les poils sur les bras, à deviner les sourires d'émotion dans les visages aimés, dans les yeux des amis. C'est hier que l'on souffrait dans les brumes, dans la nuit, les courants et les algues. Aujourd'hui, le soleil brille comme jamais. C'est bleu, il y a des diamants sur la mer. Bravo, Gégé.